Rappel. Déclaration des députés, la députée de Huron Bruce. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour soulever mes préoccupations et celles de la famille Pentland, des Groves, de David Martin, de Kevin Schmaltz. Nous voulons soulever nos préoccupations portant sur l'inaction du gouvernement quant aux retombées des éoliennes sur nos collectivités. En avril, l'ancien ministre de l'Environnement a dit le suivant. Personne ne devrait faire face à des bruits excessifs des éoliennes. Mais il a démissionné avant de visiter ma circonscription. J'ai invité le nouveau ministre de l'Environnement de rencontrer ses familles et de voir leur situation. Le ministre de l'Environnement ne me donne pas une réponse adéquate. John Black, qui comprend la situation, m'a dit « Je ne veux plus porter plainte parce qu'il me semble que mes plaintes ne font rien. » Patty Ducharme a dit le suivant. La vue de Doug a été touchée. Ces personnes se sentent mal à l'aise. Ils sont entourés par trois éoliennes. En guise de conclusion, pour la quatrième fois, je demande au ministre de l'Environnement de venir à Huron Bruce, de rencontrer ces personnes et d'apprendre davantage de leur situation. Peut-être il ensuite passera à l'action. La députée de Welland, j'étais tout à fait troublé qu'il y aura davantage de mises à pied à Bell, donc des postes ont été éliminés. À St. Catharines, par exemple. C'est tout à fait difficile pour les employés et pour leurs familles. Bell Media a fait la même chose en temps des fêtes et ces mesures ont touché plus de 400 employés. Selon Bell Canada, ce processus s'appelle un remaniement, mais les cadres supérieurs ont eu des augmentations exorbitante de leur salaire. Par exemple, une personne a eu une prime de 900 000 $ des salaires inadéquats. C'est l'histoire qu'on entend très souvent. Bill Morneau a suggéré que les jeunes Canadiens devraient s'habituer aux emplois précaires. Il est évident que les libéraux sous Kathleen Wynne sont d'accord, étant donné leur manque de volonté de s'attaquer aux problèmes au niveau des postes du personnel collégial. Le moment est venu d'accorder une priorité aux Ontariens. Et le moment est venu d'arrêter d'ignorer le manque de sécurité de l'emploi au pays. Le moment est venu de déposer un plan pour aider nos jeunes pour qu'ils ne soient pas obligés de s'habituer aux emplois précaires. D'autres déclarations, le député de Trinity-Spadina. Je prends la parole pour discuter d'une question très importante qui porte sur les étudiants. Selon un article du Toronto Star, il y a eu des activités frauduleuses qui ciblent les étudiants d'origine chinoise. Après avoir appelé ces étudiants, les auteurs des activités criminelles demandent de l'argent de leur famille en Chine. Je veux sensibiliser la Chambre à cette population vulnérable, c'est-à-dire les étudiants étrangers. Depuis 2010, il y a eu une augmentation importante du taux d'inscription des étudiants étrangers. À l'heure actuelle, nous avons plus de 100 000 étudiants étrangers dans nos institutions postsecondaires. Ceci produit des effets très positifs au niveau économique pour la province, c'est-à-dire 11 milliards de dollars par an, 4 milliards de dollars sont dépensés ici en Ontario. Les étudiants internationaux apportent beaucoup à nos communautés. Ils enrichissent l'apprentissage de nos étudiants, mais nous devrions promouvoir leur bien-être. Le Canada est l'une des meilleures destinations pour les étudiants à l'échelle du monde. Je demande aux députés de défendre la réputation de l'Ontario en protégeant ces citoyens potentiels de notre province. Merci, Monsieur le Président. La députée de Dufferin-Caledon. Le 27 novembre, le Centre pour enfants et parents de Caledon organisera
une activité pour marquer son 30e anniversaire. Grâce au personnel et aux bénévoles, nous avons pu rendre service aux familles pendant 30 ans. Ce centre offre des programmes et des soutiens aux familles de cette région, y compris des programmes pour mères ayant des nouveaux-nés et des programmes d'aide pour enfants touchés par des troubles d'apprentissage. Je sais qu'être parent n'est pas facile. Je suis fier de faire partie d'une collectivité là où les bénévoles et les membres du personnel s'efforcent à permettre à leurs voisins de devenir de meilleurs parents. C'est un organisme caritatif et grâce à Lisa Stennis-Morez qui travaille au sein de ce centre depuis 30 ans. Félicitations et au nom des centaines de familles qui ont profité des efforts de ce centre, merci et félicitations. D'autres déclarations, la députée de Kitchener-Waterloo. En été, la région de Waterloo a perdu une militante en matière d'éducation, Mary Johnson. Mary Johnson faisait preuve de leadership dans plusieurs domaines. Elle était pionnière pour les femmes leaders en éducation. Elle a relevé des défis. Elle était mentor pour beaucoup de personnes. Elle était directrice d'école et enfin, une école porte maintenant son nom. Lorsqu'elle a commencé sa carrière en 1950, c'était dans une école qui n'avait qu'une salle. En 1978, elle était nommée en tant que l'un des meilleurs enseignants de l'Ontario. Elle était aussi récipiendaire de plusieurs prix de la reine. Et lorsqu'on était à côté de Mary Johnson, on se sentait soutenu. Parfois, elle coupait mes citations dans des articles de journal et me les a expédiées. Je ne l'oublierai jamais. Je suis tout à fait bien heureuse de l'avoir connue. Elle nous manquera beaucoup. C'était une vie très bien vécue. D'autres déclarations, le député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, je prends la parole pour reconnaître le mois de novembre en tant que mois de sensibilisation au diabète. Un tiers des Canadiennes font face à cette maladie. C'est donc une maladie qui présente des problèmes en matière de production d'insuline. Ce mois fait de la sensibilisation aux options de traitement et aux mesures de prévention. Je demande à tout le monde de visiter diabetes.ca pour faire le test en ligne pour vous informer des risques relativement au diabète du type 2. Une bonne mode de vie est une mesure de prévenir cette maladie. Grâce à la recherche des dernières années, nous avons beaucoup amélioré les options de traitement pour ceux qui sont touchés par cette maladie. Les diabétiques peuvent vivre des vies très actives si la maladie est bien gérée. Mais il y a encore du travail à faire quant à la gestion de cette maladie. Visitez diabetes.ca pour en apprendre davantage. Le député de Chatham-Kent-Essex. Merci, Monsieur le Président. En février de l'année dernière, j'ai déposé un projet de loi, le projet de loi 94, visant à poser des caméras sur des autobus scolaires. Le projet de loi 94 a été adopté en deuxième lecture, mais finalement, il était en limbe. Le procureur général a déposé le projet de loi 174 qui porte sur la légalisation du cannabis, mais il y avait d'autres éléments dans ce projet de loi, y compris des modifications au code de la route et une version de mon propre projet de loi. Les libéraux, sous M. Trudeau, ont décidé de légaliser le cannabis. La date limite, c'est le 1er juillet de l'année prochaine. Plusieurs Ontariens sont préoccupés à cet effet et le projet de loi portant sur le cannabis nécessite un débat tout à fait fructueux. Mais malheureusement, il n'y aura pas un tel débat parce que le gouvernement a utilisé une motion d'attribution de temps. Pourquoi est-il préoccupé? Nous avons besoin de plus d'apports de la part du public. Si le gouvernement veut faire ce qui s'impose, voici ce qu'il doit faire. Les éléments du projet de loi 174
qui ne portent pas sur le cannabis doivent être déposés à nouveau sous forme de nouveaux projets de loi, c'est-à-dire que les amendements que moi j'ai proposés, les amendements à la loi sur l'entrée sans fumée et mon projet de loi portant sur les caméras sur le debout scolaire seront en mesure d'être adoptés dans des délais raisonnables. Ce que fait le gouvernement, c'est tout à fait irresponsable. Le cannabis ne porte pas sur la sécurité sur les autobus scolaires. Qu'est-ce qu'il a fumé, ce gouvernement? C'était un propos irresponsable. Déclaration des députés, le député de Mississauga-Streetsville. Le samedi dernier, j'étais en compagnie de 600 personnes. On nous a invités au temple Fogan Chuan à Meadowville. C'était donc une activité tenue tous les trois ans qui s'intitule. Le gala végétarien des bouddhistes. Donc c'est le genre d'aliments qu'on ne reçoit pas au meilleur resto chinois. Tout est servi par des bénévoles. Et donc le divertissement, c'est quelque chose qu'on verrait à Beijing. Il y avait d'excellentes chansons, d'excellentes danses. Et en fait, les jours de tambour de ce groupe sont tout à fait excellents. Les élus ont été invités et nous étions tout à fait bien heureux de participer à cette activité d'une communauté qui est tout à fait gentille et qui se concentre sur les besoins de la collectivité locale. Je félicite Michael M., Glenn Chen, Stanley Kwok, pour avoir organisé ce gala tout à fait excellent. D'autres déclarations, le député de Leeds-Granville. Je prends la parole pour reconnaître les efforts de Jared Tolman, Wendy Banks et Heather Howard, qui sont récipiendaires d'un prix économique. La cérémonie de remise du prix s'est produite le vendredi dernier. Et donc, nous les félicitons pour trois raisons. Pour la première fois, il y avait trois gagnants, parce que c'est si difficile d'en choisir un. Heather Howard est entrepreneur. Elle est exploitante d'un foyer de retraite à l'extérieur de Gananoque. Wendy Banks est pionnière. Au niveau des aliments locaux. Et donc, Leeds-Granville est devenu toute une destination à cet effet. Elle a un service de livraison qui livre des aliments locaux. Jared Tolman a créé le Tolman Group, qui exploite des centres de camions à l'échelle de la province et qui engage plus de 650 personnes. Ensemble, ces trois personnes représentent un esprit d'entrepreneuriat qui fait stimuler l'économie et qui permet la prospérité des collectivités de Leeds-Granville. Cette cérémonie a donné à tout le monde de la région une raison à célébrer. Félicitations aux gagnants et merci à tous ceux qui ont organisé ce sommet économique. Je remercie les députés de leur déclaration, rapport des comités.